Eh bien oui, bienvenue sur Hôtel Éternel, best du CVT, envoyé spatial, toujours en ce lundi 30, dernier lundi d'octobre. Oui, alors maintenant c'était pour parler des acouphènes. On se voit tout à l'heure, Christophe, j'ai une réunion de boulot, d'accord? Hein? Je suis en retard, j'ai rendez-vous à midi. Tout à l'heure, hein? Il y avait Florence, c'est génial. Aujourd'hui, c'est Patricia qui est venue. Ouais, c'était pour parler au club des acouphènes. Je pense que. Aujourd'hui, c'est un là, mais il est très aigu. Hey! Pour louper la babelle. Tous ceux qui ont les oreilles qui sifflent constamment. En fait, c'est comme tu dirais, ce serait un antivirus à la pollution électromagnétique. Quand j'étais petit, on disait bande passante 20-20 000 Hz. Non. La peine, c'est du supra-aigu. Bien sûr, on va dire, c'est pas la tête dans les enceintes quand t'es petit, bien sûr, c'est cela. C'est pas ça du tout. C'est la connexion au disque mou, à l'unité centrale. En fait, quand t'as des acouphènes, ça peut sembler désagréable, mais c'est génial. Plus t'en as, plus t'es connecté. Mais tu n'en as pas subconscience. Alors qu'il faudrait l'avoir. L'inconscience, ça, vous êtes très fort. La conscience, vous êtes plutôt nul. Mais la subconscience, vous comprenez un baigneux. On n'apprend rien à l'école. Faut pas croire. L'arbre de la connaissance, c'est comme la pierre angulaire, c'est un truc de malade. Bon. Ben plus ça siffle, plus je trouve que c'est bon. Tu vois? C'est un là, 432, mais. 1000 Hz. J'ai trouvé que ça comme technique, pas pour remplir vos cerveaux vides, mais pour réveiller vos esprits morts. En fait, vous êtes plus des fictifs. Vous êtes déjà des morts vivants. Et vous vendez même la mort. Imaginez. Ah, c'était cher les obsèques. Hein. Pour les porteurs, ça ne sert à rien. Un morceau de business. Tout le business est. J'ai le niveau pour être dans le show business, mais je ne vends pas mon âme. Je peux faire un guitare basse batterie. Ce sera bien mieux que leur merde qui nous vendent. Voilà. C'est un envoyé spatial pour Hôtel Éternel. Reporter sans glacière. Sans aucun doute, c'est mon choix. C'est mon choix. Demain, c'est ciel mon mardi. Voilà, voilà, voilà. Bon. Ça intéresse ce que ça veut. Hein. Ouais. Moi, je suis un vrai esprit libre. Je suis trop nombreux dans ma tête, j'ai pas assez de place. Le prisonnier, quoi. Non, je ne fais pas d'un numéro. Si, un numéro de carte, c'est un numéro de sécurité. Un numéro de carte d'identité, un numéro de passeport. Comme ça qu'on t'identifie. Un omni. Objet marchand non identifié. Bon, il a rigolé un peu dans ce monde de taré. On sent sa mitraille partout, il bombarde partout. Ça va, bon. Ça va? Je vais l'avoir, ma révolte planétaire. Je vais l'avoir. Ça va pas tant. Il faut juste réveiller les esprits. C'est un bon message pour ceux qui ont des acouphènes. Ils savent pas qu'ils ont une âme. Ils savent pas qu'ils ont une subconscience. Ils savent pas qu'ils sont connectés. C'est
fréquence supra-U. C'est des sons que j'entends plus en fait, quand on fait l'audiogramme. Quand ils essayent les bips, ben, il y a ceux que tu entends, puis il y a ceux que tu n'entends pas. De toute façon, j'y vois plus rien, j'entends plus rien. J'ai plus de dents. Mais j'ai une mutuelle, mais j'en ai rien à foutre. Parce que bientôt, j'aurai peut-être une assurance à l'appart. Parce que c'est l'UDAF qui s'en occupe. J'aurai mis les clés en main. Je joue le jeu. Je me fais chier sur Terre, putain. Alors je pense. Sur une équipe, il y a un esprit. Alors ils partagent. De quoi ma femme est grosse? Comment ça? Alors chevalier Las Palès, quoi. À la ville, à la campagne. C'est le grand jeu de la vie. Oh, quelle tâche. Peut-être comme ça, tu vois. Je vais grimper à l'arbre de la connaissance encore un coup.